bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Potion Tycoon. On est toujours avec le live, avec le chat, et on tente, tant bien que mal, de vendre nos potions. Alors du coup on a pris du retard parce qu'on a plein de quêtes là qui tombent, donc ça fout un peu la merde. Lui il voulait combien? Deux caisses je crois, ouais, il voulait deux caisses lui. Donc on est en train d'arriver à court de potions d'archi, à court de Grenados, bientôt on sera à court de chez Akour. Ouais, ça va être compliqué quand on sera à court de chez Akour. Là, on a une caisse de Grenados. Ok. Ah non, une caisse de sorcellerie, encore mieux. On rouvre le rayon sorcellerie. Venez, les gens, venez. Et là, on a John qui travaille dur. On sent l'intense réflexion sur le visage. Ça y est, on va pouvoir réaccueillir des sorciers, c'est cool. On avait un aperçu, il me semble qu'on avait un truc pour voir le classement. Donc on est en tête parce qu'on a une potion supérieure. Pas loin quand même, hein. La purification rituelle a l'air d'être pas loin de nous. Là, ils ont deux potions supérieures. Ouais, parce que la Grenados a pas trop marché encore. Mais on est quand même premier. Hein. Avec le leader de sorcellerie, on est premier. Ce que je voulais voir, c'était... Est-ce qu'il y a un filtre? Pour voir la... Je sais plus comment on voit la qualité de la pièce, en fait, c'est ça? Ouais, ok. Rôle de la pièce avec ses clients, qualité de la pièce plus 2, apparence de la pièce, arrière-plan, ok, c'est ça, faut cliquer là. Là on est à 0 parce qu'on a moins 10 avec la marmite, et on peut pas, ok, on peut pas avoir moins de 0. Très bien. Alors, coût en point d'action pour les clients qui entrent dans la pièce, waouh, 14, ça pique. Si on augmente la qualité de la pièce, ça leur coûte moins cher de rentrer dedans, d'accord. Et du coup, ici, on a le taureau, là. Taureau de tête, il fait 5. Ça leur coûte 9 de rentrée. Ah, et on peut changer... Ah oui, on va mettre un beau truc en bois. Ah, le papier peint. Voilà, ça, c'est parfait. Et du coup, celle-là... Merde. Celle-là, on va mettre, pareil, les boiseries. Et par contre, on va mettre ça, parce que c'est une pièce de sorcellerie. Du coup, j'ai rien fait, mais c'est pas grave. Filtre à café, filtre d'amour. Il faut être précis. Ah, j'ai dû dire un truc, j'ai pas fait attention, désolé. Ok, on a fait les bases administratives. On peut faire la sécurité des employés. Mmh. Encouragement personnel avec un fouetteur. Augmente temporairement l'invité des employés qui passent à côté. On va aller viser, je pense... des meilleurs bouchons pour nos popos. Pour essayer de monter un petit peu la qualité de nos popos. Putain, c'est vide et on n'a même pas réussi à faire une caisse d'avance, quoi. Quel enfer. Slepa gagne un niveau en jardinage. Plus de champignons... L'humeur augmente de 15 par heure dans une pièce avec un cerf ou un bac de culture. Ça, c'est pas mal. Ou alors 8 d'humeur par heure de manière générale. Mais non, globalement, il est toujours dans une pièce comme ça, donc... Allez, en avant. Tu fabriques quoi, toi? De la Grenados. Ouais, très bien. Ça va au moins nous remettre un petit peu de stock. Mais après, faut faire de l'archi, hein. À quoi ça sert la sécurité des employés? Au pire, qu'est-ce qu'on risque? Bah, pas grand-chose, c'est juste histoire d'améliorer la pièce, en vrai. C'est toujours bien d'améliorer la pièce. Ah, on a quand même une anti-archi d'avance, ça c'est cool. Alors du coup, là, ce qu'on veut, c'est de l'anti-archi. S'il vous plaît. Ah, ici, Alastre qui gagne un petit niveau en vente.
augmente de 10% la chance de bonus de produit pour toutes les campagnes de lancement. Les campagnes de marketing sont 15% moins chères, ça c'est pas mal. Ou alors 20% de consommation d'endurance en moins pour toutes les tâches. On va faire ça. Et tu seras notre marketeux à l'astre. Pour l'instant, on n'a pas trop de goulot d'étranglement. Enfin, la production, mais on n'a pas un truc qu'on utilise dans toutes nos potions et qui du coup nous manque. Ok, on a terminé un truc de Grenados, on va pouvoir remettre en stock. Voilà, parfait. Ah, le jardinage, c'est un problème. Hein. On est en flux tendu à chaque fois. Et là, en fait, elle a une bouche, et après, quand ça s'ouvre, il s'avère que c'est un œil. Magnifique. J'aime la mandragore. Très très bien. On va leur mettre un petit fauteuil dans leur pièce de... Est-ce qu'on peut le changer? Ah oui, mais bien sûr. Excellent, on va mettre un fauteuil champignon. Fauteuil champignon, c'est parfait. Les rapports journaliers, on a vendu beaucoup d'anti-archi. Alors, qu'est-ce qui va pas? Ils n'avaient pas de potions anti-squelette ou elles n'étaient pas suffisamment attrayantes, ok. Bon, la potion d'invocation était en rupture, donc bon, voilà. On est repassé premier quand même. Mangez ça, bande de rivaux. La forme du fauteuil champignon avec les deux accoudoirs te perturbe. Bah pourquoi? Il a l'air d'un fauteuil champignon, tout ce qu'il y a de plus champignonesque. Vous allez me dire que ça ressemble à des oreilles, c'est ça? Vous avez un problème avec les oreilles dans le chat, non? Alors par contre, ça serait bien de privilégier la recherche... Mais quand même d'aller faire des popos quoi. Alors avec la curiosité on pourrait éventuellement refaire nos potions mais vu que ça coûte cher, on va tout de suite faire ça. Hop, alors ça nous coûte 25 mais bon, là on pourra faire direct des potions plutôt efficaces. Il nous manque des orteils. Il nous manque des orteils de monstres. Cible de stockage atteinte. Ah oui, on a vachement de mandragore d'avance, ok. Très bien, on n'en fait pas plus, ça me va. Là, on va embouteiller. Et normalement, ce qu'il est en train d'embouteiller, c'est de l'anti-archi, donc on va avoir nos deux... Deux trucs. Regarde, il est très très bien assis là. Ça, c'est pas la classe. Il peut même poser ses petits pieds de raton sur le petit champignon. Alors, ici, on va profiter que c'est vide pour dire que c'est vide. Comme ça, on va garder ça pour potentiellement le soin. On dirait que nos potions ont du mal à se vendre parce qu'elles sont trop chères. Surveille, mais lui il est pas content parce que c'était trop cher. Et lui il est pas content, pourquoi? Parce qu'il veut des potions standards. Ok, mais on va vous faire des potions standards, pas de souci. Ah ça y est, on a ce qu'il faut là. On envoie deux anti-archi. Parfait, chantez les louanges. Il me faut des artefacts, c'est bien les artefacts. Et du coup, on va... non, pas ça. Là, on va remettre ça en rayon. Alors, l'artefact. La statue de mire. Améliore l'humeur de la fabrique de plus 5 et améliore de 10 la qualité de la pièce. Alors, où est-ce qu'on peut mettre ça? Améliorer cette qualité de pièce-là, c'est bof. Celle-là, ça serait pas mal de l'améliorer, mais il va falloir qu'on...
qu'on s'agrandisse. Je vais juste vérifier que ça les bloque pas, même si je pense que non. Ça les bloque pas. Et là, ouais, alors le repos, je sais pas si c'est... Si c'est bien de se reposer comme ça. Ah, on peut voir sans mettre en passe. Ça, c'est cool. Qualité de la pièce, 18. Excellent. On a perdu le rayon de sorcellerie. Non! Ça va, ça arrive, ça arrive. Notre palette commence à être un peu pleine, là. Ah, il va nous falloir un autre rayon de production, je pense. Si pour l'instant ça va, nos rayons sont vides, mais on arrive à faire ce qu'il faut avec la thune. Là, on enchaîne avec une grenados, très bien. Ça fera un peu de stock. Ok, on a les poteries raffinées. Alors ça veut dire que stop, on s'arrête, on arrête tout, on va regarder. L'anti-archi, on en a plus, donc on peut la retravailler. On a toujours que deux ingrédients, donc on va pas faire grand chose. On pourra mettre des bouchons fantaisie et un petit estampillage. Eh, on la passe en standard avec un truc comme ça, hein. Un magnifique anti-monstre comme ça. Oh non, comme ça encore mieux. Non, ça c'est la bouteille, c'est ça que je veux. Ah, il y en a pas mal, hein. Ah, c'est pas mal ça. Anti-monstre comme ça. Ça coûte 5 par caisse pour un coût total de 0, parfait. Hop là, et du coup, on a obtenu le cristal nocturne. Excellent. Améliore de 1 le pouvoir des arcanes. Oh, c'est bon ça. C'est très très bon ça. On va pouvoir faire des potions à 3. Bah attendez, retournons... Retournons regarder ça. Oui, on peut faire des potions à 3 maintenant. Alors, est-ce qu'on peut faire un truc intéressant? On peut faire du lupin séché. Et là, on passe à une sacrée belle potion, là. 3 pile poil. On peut la vendre à 7. À 16. La thune! Ah bah, c'est parti. On fait une méga potion. Par contre, il va nous falloir un séchoir, donc il va falloir qu'on s'agrandisse. Je pense qu'on peut regarder aussi l'invocation du signe, vu qu'on en a plus en stock. Est-ce qu'on pourrait faire des trucs intéressants? Il faut qu'elle soit pas toxique, celle-là. Qu'est-ce qu'il nous reste? Bah, pas grand-chose, parce que si on met de la mandragore et qu'on coupe en bas, ou qu'on coupe comme ça, on a de l'impureté, c'est nul. Si on met du lupin, pareil, quoi que ce soit comment on coupe, ça marche pas. Donc on va pas la changer, celle-là. Par contre, on va travailler, on va la tirer vers le haut avec ça, là. Ah bah voilà, parfait, ça, ce bouchon est hyper excellent, exactement ce qu'il nous faut. Et donc, on invoque... Alors, est-ce qu'on va passer dans l'autre sens pour voir... Ah bah voilà, ça c'est de la bonne potion d'invocation ça. Bon, ça ressemble pas à un signe. Voir s'il y a un truc qui ressemble à un signe. Non, on avait fait le tour déjà et du coup je crois que non. On pourra mettre ça éventuellement. On pourra mettre une plume. Pas mal une plume. Et comme ça on aura de la potion standard. Les gens qui veulent de la standard feront plus chier. C'est parti.
Donc du coup, il faut qu'on s'agrandisse parce qu'il nous faut de quoi sécher. Équipement de production. Requis pour produire anti-archi. Oui, mais on en a déjà, c'est bon. Il nous faut un séchoir. Ça réduit de 10 l'attrait de la pièce, par contre. Donc on va prendre ça et on va le mettre ici. Voilà. C'est parti. Il faut qu'on attende d'avoir fabriqué. Alors là, on fait quoi? De la grenados, très bien. Donc ici, on va faire du lupin séché. Ah, ça l'a fait tout seul, ok, très bien. Ah, mais je crois qu'on fabrique pas de lupin par contre. C'est peut-être pour ça qu'il nous dit. Oui, c'est ça, il nous faut une serre de plus. Non, c'est ici, voilà. Il nous faut du lupin! Du lupin! Et en termes de recherche, il va être temps de commencer à travailler sur les trucs de beauté. Merde, pousse-toi. Hop. C'est parti pour du lupin. Toi, t'es un alchimiste et tu sais. Ah, tu sais jardiner, toi, Kyrex. Excellent. J'avais pas fait gaffe. Ok, on a remis de la. L'invocation du signe, nouvelle version. Ça, c'est cool, ça. Lui, là, il en a acheté une, du coup. C'est le meilleur produit du moment! Réussite de lancement. Excellent. Nos rivaux ne s'en relèveront pas. Ok, on a refait du stock de Grenados. Maintenant, il faudra qu'on fasse de l'anti-archi, ce qui doit être là, ouais, excellent. Mais il faut le lupin, du coup. Donc pour l'instant, on va prendre un peu de retard, probablement. Mais bon, on a du stock, c'est pas trop grave. On va pouvoir commencer à travailler sur la qualité des pièces. Que les mecs soient pas trop mécontents. Ok, on a terminé l'aération. Alors là, on a quoi? Obtenu le soutien de Lamnune ou de Sorbus. Ok. Construisez un bureau de marketing, utilisez une action de marketing. On va se le faire avec notre prochain budget, je pense. Malheureusement, notre université a subi un autre incident, un de nos novices. Bon, je vous passe les détails, mais j'aurais besoin d'une livraison anti-squelette. Ah. Il faut qu'elle ait un grade en plus. Salut Ardarine, c'est pas sans rappeler Book of Wars. Bah, dis donc. Tout le monde a des visées sur Book of Wars. Normalement, on a de l'anti-squelette, ouais, c'est ça. On en a. Donc, on va demander à ne plus la mettre en stock. Et elle est de quel grade? Grade 1-6, ok, parfait, ça va le faire. C'est un tycoon, Ardarine, donc même si graphiquement, le côté vu de côté peut faire rappeler, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il est troisième en provision, du coup, maintenant. Faut faire quelque chose, là. Ok, on va avoir notre premier lupin. Il va falloir le sécher. Et après, on va attaquer la production. Vas-y, fais sécher le lupin. On n'a qu'un seul, un mec qui fait des opérations. Oui, on n'en a qu'un seul, je crois. Allez, on fait sécher un peu le lupin.
Alors ici, on a la cible de stockage qui est atteinte, c'est parfait. Tu veux faire sécher Lutin? Eh non. Lupin. Regarde, avec un P, comme dans Lupin. Parfait, on va pouvoir lancer la potion. Allez les gars, au taf. On dirait Factorio. Ouais, je crois que chaque personne qui est arrivée sur le chat depuis que j'ai lancé le live en fait Cardarine a dit « Ah oh, tiens, on dirait tel jeu !» Ouais, c'est trop cher, tu te fous de moi? T'as vu cette potion de qualité? Ah, il préfère le volume, lui. Et lui, du coup, il l'a pas acheté, on sait pas pourquoi. Ouais, c'est bon. Ils achètent quand même, ils achètent. Faut pas déconner. Ah, Marès est éligible pour une promotion. T'es déjà adepte, mon cher. Mais écoute, tu vas passer plus plus. Va travailler sur son humeur. C'est pas mal. Mais du coup, tu seras Ardarine pour la peine. Ardarine, le vétéran jardineur. Et on va les vétérans, les jardineurs, on va les mettre en vert. Voilà. On les repérera plus vite. T'as la main verte, exactement. Alors tu me diras pas que ça ressemble à City Skyline, mais il y a de l'idée. Ok, c'est parti, on fait une invocation de signes. Bientôt, on va avoir de l'archi à mettre en stock. Ça, c'est cool. Toi, tu voulais combien de potions? Une caisse, hein, ouais, ça va. On va la faire, pas de soucis. Une petite touche de U4. Je cherche ce qui pourrait te faire penser ça, mais ça me vient pas là. Ah, je pense que ce que je vais faire, par contre, c'est que ça, je vais le bouger. Ah non, il faut que ce soit dans une pièce de type boutique. Bon, ok, je vais pas le bouger. Par contre, je vois qu'on peut changer le style. Excellent. Ça, c'est un truc à squelette, donc c'est bon, on va mettre ça. Ça, c'est une potion d'invocation, on pourra mettre ça. Et là, on met quoi déjà? L'archi. On va mettre ça. Anti-monstre, c'est ça. Oui, je me doute, Ardarine, t'inquiète. Oh, une petite taupe. Elle est là. Rien de chubutis, la petite taupe. Taupe! Ingrédient manquant, ok, c'est bon, mais ça va, là c'est prêt. Il nous faut juste du jardinage. Ouh, on a une sacrée file d'attente là. On a déjà épuisé tout le stock là, la vache. Oh là là. Il va falloir vraiment qu'on agrandisse. Pour le moment, on n'a pas les moyens. Tu peux avoir une madame. Tu peux avoir une madame. Alors, qui on a? Pour l'instant, il reste un jardineur et un vendeur. Non, ils sont moches. Ah, on peut le changer après. Voilà. Ah, Chobiti la vendeuse. En plus, j'ai dit tenue de fête pour tout le monde. Il y a des petits niveaux qui traînent. Alchimiste niveau 3, pas mal. Attrait amélioré pour tous les produits, c'est bien. Ouais, on va prendre ça. J'ai vu qu'il y avait Chobiti qui avait une promotion aussi. Un meilleur de 10% les chances de vente de toutes les potions dans une même pièce. Un meilleur de 3% la limite de notoriété des ventes récentes. Un meilleur tempérament de 8 la qualité de toutes les pièces dans lesquelles il entre. Ça, c'est pas mal pour les clients. On va prendre ça. En plus, comme il se balade pas mal pour aller faire des bouteilles, etc.
Excusez-moi, il y a Chobiti qui fait peur au chat en secouant la boîte de bonbons. C'était collé! Eh oui, c'était collé, ouais. Bien sûr. Je n'en doute pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'anti-Archie est une réussite modérée. Bon, déjà ça. Et... ok, on l'a eu deux fois. Peut-être parce que je l'ai bougé et refait deux fois. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Je n'ai pas assez d'argent. T'es le pauvre. Ok, ici on envoie les grenados. Il en voulait une. C'est parti. Vanter les mérites ou des artefacts. On va prendre les artefacts. J'aime beaucoup les artefacts. Et en plus, on a eu un autre artefact parce qu'on a réussi une quête. Je vais conseiller votre boutique à un grand sorcier. Il vous contactera. On a une relation informelle avec les sorciers. Excellent. La démone a retrouvé sa voix. Alors, ça dépend. Alors, on a le miroir, crée une copie d'un employé choisi, d'accord. Ah, et on a le mémorial du héros déchu de nouveau, tiens. On va le mettre... où est-ce qu'on pourrait le mettre? Ici, tiens. Ça, ceux qui vont loin, ils sont bons. Et là, on peut créer une copie d'un employé. Comment ça marche? Choisir un employé. Ok, très bien. Tac, tac, tac. Un mec d'opération de plus? Non, c'est encore un des jardinages qui nous manque. Hein. Adepte vente. Est-ce qu'on dupliquerait pas Ardarin? Allez. Ardarin, il dit duplique-moi! Duplique-moi! Bah voilà, Ardarin, tu es dupliqué. Tu es là. Copie de Ardarin. Alors, il se trouve que t'as rien à faire, mais... bah si, en plus, tu devrais pouvoir, là. Là, tu fais rien. Il y a déjà quelqu'un qui a pris la tâche. Ah non, bah il y a quelqu'un qui a pris la tâche. Ça y est, il s'active. Voilà. Bientôt, tu seras Légion. Et tu jardineras jusqu'au bout. Ah, on a un truc, j'avais pas vu. La Dame de la Lune. Notre quête pour raviver les terres vertes continue. L'une de nos sœurs a mis la main sur ces graines anciennes qui poussaient autrefois dans les champs. Mais nous n'avons pas beaucoup. Si vous voulez bien planter ces graines, les faire pousser, les renouveler jusqu'à ce que nous ayons assez pour faire renaître ces magnifiques fleurs. 6 tonneaux de lupins dans 7 jours. Ah, carrément. Et en plus, on a une graine de lupin en bonus. Bah, on va tout de suite poser ce qu'il faut. C'est tellement rare d'avoir des graines que... ouais, je prends plutôt deux fois qu'une. Terre verte, c'est pour toi ça aussi. Bah oui, bien sûr, c'est du jardinage. Travailler deux fois plus avec le même salaire. Exactement, Lonmar. J'espère qu'on ne les paye pas. Pourquoi on paierait ça? Non, on dirait qu'il a pas de... il a quand même une humeur, hein. Oh, tu peux l'appeler Ardarin 2, du coup. Ouais, j'aime bien copie de Ardarin, c'est rigolo. Je peux changer... non, je peux pas changer sa couleur, par contre. Oh non. Ni son uniforme. Et sa tronche? Non. Oh. C'est vraiment une copie. Il est même pas vert! Voilà, avec deux graines de lupin, même si on en consomme un petit peu pour les potions, on va vite faire 6 tonneaux, je pense. Alors attendez, par contre, non, parce qu'il faut quantité demandée 6 tonneaux et... tac, tac, tac. Il attend que deux. Non, ça c'est les graines, mais je sais plus où c'est. Qu'on regarde production. Non. Il y a un truc pour dire j'en veux X. Voilà, stockage cible. On en veut 6. Un peu plus, non? On va mettre. Allez, 8. 7 ingrédients, toutes les variantes, non. 7 ingrédients, on en veut au moins 8. Voilà. Non, on peut pas changer la couleur de ta copie, Ardarin, c'est comme ça. Par contre, je peux copier quelqu'un d'autre si tu râles trop. Ça, c'est possible, ça. Moi. Bon, on est pas mal en stock, là.
On pourrait commencer peut-être à travailler sur la grenadose, faire peut-être une autre recherche. On pourrait fouetter le personnel. Ça c'est un bon plan, ça. Alimentation, service de restauration, meilleur de 10, l'endurance de chaque employé qui se repose. Ok. Manger. Ça c'est 15 de qualité, c'est quand même pas mal. Hein. Allez, c'est parti. On prend. Le seul intérêt de ta phrase est de faire un jeu de mots et je suis parti total opposé. Ben oui, bien sûr. Bien sûr, Ardarine. C'était logique. J'étais obligé de partir à l'opposé. Bon, bah c'est pas tout ça, mais les stocks sont pleins, mais il faut qu'on gagne de la thune, là. Il faut faire une... Invocation blanche, et maintenant la potion supérieure. Ah, les salauds, les salauds. Il faut faire une potion. Ouais, mais on n'avait pas ce qu'il faut pour améliorer la potion d'invocation, malheureusement. On est quand même toujours premier. On est deuxième en sorcellerie, mais on est passé leader en provision. On est en négatif. Possible. Le fil était trop long, la boutique n'avait pas la potion. Ouais. Ça va le faire, maintenant qu'on a du stock, ça va le faire. Il va falloir que le chaland vienne vider sa bourse. Exactement. On a plus de thunes. S'appelle comment les habitants du chaland? Comment s'appellent les habitants de chaland? Je ne sais pas. Alors, le lupin séché, on va en vouloir deux. Alors, de ne pas en faire trop et de garder du lupin pour la Dame de la Lune. On a terminé notre recherche, ça va vite les recherches. Hein. L'argent tombe aussi, on va essayer de voir si avec cette journée on peut rééquilibrer les comptes. C'est pas un petit artefact, non. On a deux lupins en stock. Au Swiss, hein. Quoi, t'es pas content? Non, je suis jamais content. Ah, elle préfère du volume, elle. Bah, écoutez, on fait plus de volume, nous. Hein. On est... Ah, ça, c'est trop cher. En plus, l'autre, elle cherche du premium, quoi. Non, mais sans déconner. Elle est trop chère la potion, elle est trop chère. Je vois. Tiens, il y a une promotion pour John. On va pas la faire tout de suite parce qu'on n'a pas les moyens. Quoi ? Mais on va garder ça en tête. Bah, je fais pas la promotion pour que ça nous coûte moins cher et tu chouines. C'est terrible ça. On a deux tonneaux de lupin, ok. Ouais, il va falloir qu'on la vende moins cher parce qu'on a quand même beaucoup de potions d'avance là. Donc l'invocation du cygne. On va la repasser à ce niveau-là. Visiblement, nos clients sont plutôt du genre volume encore. Et lui, il veut du standard. Putain, les relous! Les relous, quoi! Et toi, t'es pas content? Pourquoi t'es pas content? C'est quoi ce symbole-là? Il y a peu de thunes. Je pourrais acheter la potion si elle avait la propriété toxique. Ah, d'accord. C'est une potion d'invocation. Je veux qu'elle soit toxique! Ah oui, propriété bénéfique, toxique, ok, très bien. Là, je pourrais l'améliorer, hein. Je pourrais mettre ça, du coup. Garder ce côté-là, comme ça elle devient toxique. Et en plus, elle a plus de puissance. On peut la remettre en standard, je pense, pour ce prix-là.
Est-ce que tu gardes son nom? Oui, je vais la garder, c'est la même. Allez, c'est parti. Ça justifiera son prix comme ça. Ils vident leur bourse, hein, c'est le bon point au moins, ils ont plus de thunes. Hein. Ils ont plus de thunes quand ils sortent, c'est ce qu'il nous faut. Elle est où ma chouchou? Une réussite modérée. Elle est où ta chouchou? Je sais pas moi, c'est pas elle, non? C'est qui? Je sais plus moi. Et à la vente. Où t'es? Quelque part dans la boutique. Ça c'est sûr. Alors, on va remettre en stock, ok, très bien. On a 3 tonneaux de lupins, ça se passe plutôt pas mal, on les aura largement d'ici les 7 jours, et on a bientôt rééquilibré les comptes. On a bientôt du lupin là. Allez, faut remonter un petit peu ses sous. Ardarine qui glande. Bah, l'état d'esprit. Ah, j'avais pas vu, il cligne des yeux, le taureau. C'est bon, on est en positif. Un peu juste, mais on est en positif. Ok, on a encore du lupin ici qui est prêt. Notre palette est un peu pleine par contre. Bah, je sais pas jusqu'où elle peut se remplir. Je pense qu'elle peut aller jusqu'au plafond. Mais ouais, il faut qu'on... On va peut-être du coup mettre une deuxième anti-archi en vitrine. On va voir. Oui. Pourquoi tes employés ont des petites queues et pas les clients? Bah parce que mes employés c'est des ratons et pas les clients, tu veux que je te dise moi. C'est comme ça? Bon, c'est tendu, mais on arrive tranquillement à rééquilibrer un peu le compte. On en a deux des... Ouais, on a deux des opérations. Il est content. Elle est contente. Alors, on a 4 lupins, c'est bon. Malgré qu'on en sèche un peu pour les potions, on arrive à rattraper le coup. Maintenant, ce qui nous manque, c'est qu'on produit trop pour vendre. Ça, c'est bien dommage. Ça veut dire qu'on pourrait se permettre de lancer une nouvelle potion. Alors, la question, c'est est-ce que... Ok. Est-ce qu'on peut se permettre de lancer une nouvelle potion sur un nouveau secteur, ou est-ce qu'on essaye d'améliorer notre secteur existant? On pourrait faire une potion de nécromancie. Alors, la potion de nécromancie, il faut qu'elle soit toxique. Du lupin séché aussi, ouais, pourquoi pas, on ressèche du lupin. Elle est impure, ouais, mais est-ce que j'enlève l'impure? C'est gênant, quoi. Ça va être coûteux d'enlever l'impureté. Parce qu'il va falloir mariner ça, sécher ça. En plus, on perd en qualité. Ouais, non, ça va. On va la garder impure un peu. Les fades, mais bon. Ah, maintenant ils ont mis un super tableau avec les goûts, excellent.
22 d'attrait de base. C'est moins 10% quand même l'impur, hein, mais bon. On va faire du volume avec celle-là. C'était pas de la potion de nécromancie qu'on avait, si? Bah c'est si, c'est ce que tu viens de faire. Oui, non, mais l'autre, celle du signe, c'était pas de la potion de nécromancie. Je crois qu'il y avait un crâne. Voilà. Et on va la mettre en jaune. Ça fait très nécromant en jaune, on va la mettre en noir. En blanc. En noir, en blanc, en blanc. Du coup là, on continue de viser le... On continue de viser la sorcellerie, on laisse tomber les gardes. Il nous faut des potions! Un autre potion! Il faut un autre potion, c'est vrai. Un autre potion dans le chat pour une potion de nécromancie. Tout à l'heure, t'avais somnolence, mais c'était pour... ça collait pas. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Non, Hermès. C'est pas pour toi, les potions. Tac tac tac. T'as fait quoi exactement la nécromancie? Ça relève les morts? J'imagine, ouais, que ça relève les morts. Dans l'absolu, ça doit probablement être ça. On va l'appeler Boustos. Voilà. Hop. Et du coup, on va la mettre ici. Séchoir 1, c'est parti. J'espère qu'ils vont pas manger tout notre lupin, hein. Et d'accord que ça c'était anti-squelette, et maintenant c'est nécromant, c'est parfait. Comme ça, on a les deux. Bah, s'ils mangent tout notre lupin, on verra, mais pour l'instant, ça augmente tranquillement, on en a 4. Cocolico! On est deuxième derrière la maison Huchère. On va essayer de repasser deuxième en sorcellerie. Par contre, nos revenus, c'est toujours compliqué. Mais là, on en a deux. Donc, on va avoir 6 en vrai. La fabrique est à court d'argent. Bah, ouais, la fabrique est à court d'argent, bien sûr. On est en négatif, hein. On fait une journée en négatif. J'ai toujours pas fait le niveau de truc. La promotion. Bah non, on l'a pas faite la promotion. Il coûtera plus cher si on le promeut, Chobiti. Bah oui, mais il sera plus efficace. Ouais, mais c'est pas un problème d'efficacité qu'on a là, c'est un problème de vente là. Nos rayons sont pleins. On fera les promotions après. Après, on peut faire un emprunt, hein. Bah, tu peux aussi donner les trucs à la dame, non? On y est presque. Bah, j'y suis pas encore, c'est pas vert. On a quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 5. Dès qu'ils auront emmené celui-là, on sera bon. Mais c'est plein. Est-ce qu'ils vont vraiment l'emmener? Bah, je sais pas. Il faut plus de caisses pour plus de ventes. Tu veux dire de caisses enregistreuses? Bah, on n'a pas de file d'attente énorme, donc pas forcément, non. Alors, qu'est-ce qu'il en va pas? Je préfère volume. Vous êtes relous les gens. Là c'est trop cher. Ouais, ça marche pas là. Hein. Lui il veut du premium. C'est ouf. Il y a Nécromancie de Chanel, bah on peut la renommer, ouais. Nécromancie. On peut mettre de Chanel. Non mais... Oui, non mais je sais, Chobiti, je te troll, ah là là. Tu me trolles aussi, tu sais pas l'écrire. Bien sûr que je sais l'écrire. Effectivement, on est visiblement plein là. Il faudrait qu'on enlève un truc dans le stock pour pouvoir
Pour pouvoir le faire. Ah! Ah bah on n'a pas de thunes. Ouais, bon là ça veut dire qu'il va falloir qu'on emprunte. Faire un emprunt de 500. Alors, on va devoir faire deux emprunts si on veut acheter. Alors, qu'est-ce qu'elle vend? De l'herbe à chat, qu'antitoxine, qui est de type chat. On pourrait faire des potions de vitesse, des potions de mana ou des potions de protection. Pas mal. Ah, celui-là, il est bien positif. Hein. Il y a un peu de saleté, là, mais sinon, il est plutôt que positif. Celui-là, il est pas mal. Et là, on a une impureté, mais la phalacée est pas dégueu. Enfin, le herbe à chat est pas mal, il y a juste un peu d'impureté. Potion de parole, potion d'apparition, potion d'exorcisme. Je pense qu'on va prendre celle-là. Ça y est, on va peut-être avoir nos 6 trucs là. 1, 2, 3, 4, 5. Ah non, on a pris un pour aller le sécher. Ça y est, c'est parti. Alors, un grand merci pour cette livraison. Ce sera une grande avancée vers la renaissance des terres vertes, autrefois si magnifiques. On va vanter les mérites pour une fois, pour essayer de faire venir du monde et... Moi, je troll tout en sachant pas écrire. C'est trop cher, la grenade, c'est trop cher. Enfin, pourtant, elle est en volume déjà, hein, mais... C'est vrai qu'elle est pas ouf, hein. C'est de la base, hein. On va diminuer le prix. Et elle voulait nous remercier pour toute l'aide apportée. N'ayez pas peur, je vais vous envoyer quelqu'un vous rendre visite. Ok, on a une relation informelle avec les sorcières. N'oublie pas de rebaisser la demande de Lupin. Ah oui, t'as raison. Parce que ça remplit un petit peu les stocks, là. Hop, voilà. Cette vieillerie prenait la poussière à l'université, je vous l'offre. Un bec savant, d'accord. Un bec savant rend 16 points d'action au client qui s'arrête devant et améliore de 8 la qualité de la pièce. Parfait. On va le mettre là. Tu l'aurais mis plus loin, oui, mais ça leur rend de l'énergie quand ils rentrent là, dans cette pièce. On a déjà celui-là qui rend quand ils sont au milieu. Ce qu'il faudrait qu'on fasse, probablement, c'est qu'on mette les... qu'on change les trucs, mais on fera ça la nuit. Quand il n'y a pas des gens devant. T'as une yètre. Ah, le nouveau lancement de la Grenados. Ok, maintenant, au moins, elle est acceptée, c'est déjà mieux. Alors, toi, t'es content. Il a acheté une invocation du signe, c'est tout. Ok. Maintenant, on a de la thune avec notre emprunt. Fais les promotions. Pas l'intérêt, mais on va faire les promotions si tu veux. Alors, John. Oui, on va te passer adepte. On va améliorer la puissance des potions. Un petit adepte de jardinage. 50% de chance de produire un tonneau de champignons. 50% de chance de produire un tonneau d'herbe. Ou alors de l'humeur. Plutôt les champignons. Et c'est tout. Ok, ça y est. On commence à consommer un peu les stocks. Les alchimistes. Pourquoi t'embouteilles, toi ? T'es un alchimiste, t'embouteilles pas. À 38 balles, t'embouteilles pas, quoi. Excusez-moi. Autre chose à faire. Et qu'est-ce que t'embouteilles? Notre première boostos. Ok, parfait. On va voir notre première boostos qui va sortir. Là, on commence à avoir une petite file d'attente, là.
Et voilà, on passe en rayon moyen de sorcellerie avec deux vitrines de sorcellerie et deux vitrines de provisions, c'est pas mal. Bon, des 40 caisses de potions, et là il faudrait qu'on fasse le marketing. C'est vrai qu'on pourrait commencer à s'attaquer au marketing. Ouais, c'est donc bureau, un bureau de marketing. Ah, il faut une pièce spéciale. On peut la réduire un peu celle-là, ouais. Ouais, mais je crois qu'ils ont des bonus si elle est petite. Donc pour l'instant, elle sera petite. Hop. Bon, je voulais voir qu'est-ce que ça change du coup. Copie d'Ardarine qui va construire. Parfait. Parce qu'en fait, ça, c'est considéré comme des petites pièces. Et du coup, il donne plus 3 de qualité. Ça m'intéresse de voir ces pièces-là. C'est plus 5. Donc ça reste intéressant de faire des petites pièces. Alors du coup, le marketing, vérifier les papiers. Ça produit du chapeau. Réduit les prix des potions du rayon d'un incrément. Cela augmente l'attrait des potions de 15%. Ok. Fait usage de crieurs publics et de publicités publiées dans les journaux et sur des panneaux pour attirer le public. Ok. C'est bien. Augmenter la demande. Elle peut néanmoins réduire la demande des autres potions. Ou alors, changement d'image grossiste. Faire venir du volume. Bof. Parce qu'on fait une petite campagne de marketing. On va tenter. Par contre, on choisit pas du coup le truc qu'on market. Pas de souci. Il faudrait qu'on élimine les stocks d'anti-archi, en vrai. Promotion pour Zikino. Vas-y, on va te booster. Vu qu'on maintenant on commence à avoir un séchoir, on va te faire travailler plus efficacement là-dessus. Bon, j'ai l'impression que t'étais en train de porter un truc et que ça a disparu quand j'ai fait ta promotion. Allez, dernier client de la journée. Ferme, monsieur, au revoir. On va bouger ça là. Voilà. Casse-toi. Bah non, paye avant de partir. C'est le principal. Vite ta bourse avant de partir. Vite ta bourse avant de partir, exactement. Bon, on a bien de quoi faire des potions là. Excellent. 18 mecs pas contents parce qu'il n'y avait pas la potion de nécromancie. D'accord. Ok, plus 4 ici. Ils n'étaient pas suffisamment attrayantes et eux, on n'a toujours pas de potion de soin. Mais par contre, on repasse premier et on est leader dans deux rayons. Ça, c'est bon ça. Chobiti a raté sa campagne. Bon bah. Chouchou, quoi? Et là, il faudrait qu'on arrive à avoir l'approbation d'un bandit célèbre. Ok, bah on verra quand il nous proposera des quêtes. Elle est nulle, ma chouchou. Bah ouais, c'est honteux, Darine, je suis d'accord. Après, je me demande, on n'en avait pas. Je vais vérifier les mecs qui sont en vente. On n'a pas qui sont plus forts. Il y a lui qui est plus costaud en vente. Ouais, médium et guérilla. Ouais, donc il faut qu'on limite On à. ne dit pas chouchou. On dit pas chouchou là. Par contre, chouchou, on n'avait pas changé ta tête. Bah si. Ouais, je suis d'accord. Hein. Voilà. Ça, je ne retrouvais On va pas. te reconnaître, voilà, t'es là. Chouchou, tu t'occuperas de vendre. Hein. Il y a un petit chat en plus là. Ce sera parfait. Petit chat, petit chat. C'est marrant, on a quand même une notoriété de soins, vu qu'on augmente notre notoriété de manière globale.
Zoomer sur le petit chat, mais il dort. Là. Il fait dodo. Il fait ronron. Ça y est, c'est le matin. Il achètera pas du soin. Alors lui, il recherche quoi? Du squelette. Potion de nécromancie. Cette fois, on en a. Toi, t'es pas contente. Tu préfères les potions standards. Ok. Tu casses les couilles. Disons les choses crûment. Et elle a acheté ça parce que c'était une potion standard, même si c'était pas exactement ce qu'elle voulait. Parfait. Toi, t'as plus de thunes. Plus de thunes, monsieur. Ouais, et lui, il est parti. Pourquoi? Il a rien trouvé. Ok. Mais dis donc, on est en manque de personnel, là. Et on en fait 13 par jour, du comme ça, là. Du coup, mécanisme de livraison. Les articles autorisés se déplacent automatiquement depuis cette palette vers les machines adjacentes. Commencer à automatiser un peu des trucs, pourquoi pas. Améliore les chances de vente de toutes les potions dans la pièce. Améliore de 5% les chances de vente de toutes les potions dans la pièce. Les équipements de labo, c'est quoi là-bas? Non, on crie. Les équipements de labo, ou ça? Ça? Ouais, mais c'est grisé, ça. Oui, mais du coup... Étagère à ingrédients, améliore de 10 l'endurance de tous les employés qui travaillent dans la pièce, et... Améliore de 5 l'endurance de tous les employés qui travaillent dans la pièce, améliore de 1 le pouvoir des arcanes de votre recette lorsqu'en place, à mettre dans le laboratoire de recherche. Ça pourrait être intéressant. C'est pas mal, de... ouais. Mais on va partir sur ça, déjà. De débloquer les trucs qui permettent de le débloquer. Yep. De toute façon, tout est intéressant, en vrai. Hein. Oui... Là, on a un goulot d'étranglement qui est la vente. Ta palette, elle est trop petite. Ouais, mais ma palette est trop petite. Ça pourrait être parce que je fais pas les potions assez vite, mais en même temps, je les vends pas. Elle est pleine de caisses. Donc, le goulot d'étranglement, il est à la vente. Il faudrait mettre deux vitrines de chaque. Bah, deux vitrines de chaque ou... Deux caisses. Ils veulent du volume, nos clients, beaucoup. Et on fait plus de volume. Il faudrait qu'on puisse caler une petite... Bon, la boostos s'est bien lancée au moins. Il faudrait qu'on puisse caler une petite campagne de marketing en... Pas en grossiste, mais en... En standard, justement. Et là, c'est quoi le problème? Il y a trop de monde. Les files d'attente sont interminables. C'est vrai qu'on commence à avoir du monde. Ah, qu'est-ce qu'il veut, lui? Mon enfant, je vais être honnête, on a un problème. La dernière extravagance de la guilde a mal tourné. Ah. Une potion de force. De niveau 2 en plus. Alors, je suis pas sûr qu'on puisse. Si, on peut. Il nous faut ça et ça. Là, elle est toxique. Donc ça va pas. Il nous faudrait du comme ça qu'on pile. Elle est toujours toxique, malheureusement, donc il faudrait qu'on marine ça. Waouh, ça fait chier de se lancer là-dedans, juste comme ça. Mais bon, admettons. Du coup, on va en faire une grosse potion des familles. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme bouchon ? Allez. On va la faire rouge. Qu'est-ce qui représente la force? Ça, c'est pas mal, ça. Alors, un nom de potion de force dans le chat, dites-moi. Je réfléchis si je la vends un peu plus cher. Elle a quand même un bon attrait. Il y a 3% de plébiscite, 20% de forte demande.
La fortitude, c'est toujours la même que tu me dis, Chubiti, mais on va prendre fortitude. 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 Ou fortissimo. Fortitude, c'est bien. Alors du coup, il nous faut... Musculator. Non. Ouais, on n'a pas de mortier. Il nous faut un mortier, il va nous falloir nous agrandir. C'est une cave qu'il me faut. On va la faire en dessous. Avec des escaliers. Hop, putain, ça coûte 171 balles déjà. Waouh, la vache. Et il nous faut un mortier. On n'a pas la thune. Allez, on emprunte. On est des gros sacs. Que tant qu'à faire, on pourrait pas mettre une autre caisse enregistreuse. Là, on n'a pas la place. Hein. Non, on n'a pas la place. Allez, on accepte. On va tenter. Ok, il a automatiquement pris ça. C'est parfait. Du coup, non, on va te laisser là, toi, parce qu'il n'y a qu'un seul truc en bas, mais il va falloir qu'on commence à s'étaler un peu, là. Ah ouais, la vache, on a des sacrés files d'attente, là. Oh, il est vieux, lui. Grand sorcier. Il est quand même content de sa potion, c'est déjà ça. Il va falloir qu'on fasse quelque chose. On va bouger ça... On va bouger ça ici. Est-ce que je peux réussir à caler une caisse enregistreuse? Pas vraiment. Ok, donc on va attendre la nuit. Votre stock déborde! L'heure est venue d'agrandir ou de réorganiser. Voulez-vous une leçon en gestion d'inventaire? Non. On agrandira un petit peu cette pièce-là. On fera une deuxième petite pièce à côté qui fera que caisse enregistreuse, on verra. Non, on est dans le mal niveau employé aussi. Très cher Singh, respecté démon, je dois décoller à Biental, Erdarin. Quoi ton problème à toi, ma chère? Tu préfères les potions en volume, ok. On a les outils de vente. Si je mets un petit coup de poil, tu m'éteindras quand je serai pas là. Oui, oui, si tu mets le chauffage, le couperet, ouais, pas de souci. J'ai un petit peu froid. Ouais, il va nous falloir une autre palette. La palette, c'est assez grand. J'étais en train de réfléchir où est-ce qu'on pourrait en mettre une. Bouger des trucs en bas. Après, c'est pas hyper grave que ça reste là, hein, mais... Ce serait bien de faire la fortitude. Hein. Parce que bon, c'est un peu la priorité, et puis les stocks des autres sont pleins, donc... D'ailleurs, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que là, on en veut deux. Là, on en veut deux. Là, on en veut deux. Et là, on en veut deux. Voilà, comme ça, ils arrêteront aussi un petit peu de remplir, comme ça.
C'est quand même une bonne journée. On peut rembourser un emprunt. On va le faire. On va gagner un peu de sous avec nos derniers clients. Et si on génère suffisamment de points, on relancera une campagne de marketing pour essayer de vendre les potions qu'il faut vendre. S'il vous plaît, on refait du comme ça. Bon, on repasse en négatif, normal. Aucun achat, les files étaient trop longs, les files étaient trop longs, les files étaient trop longues. Les files sont globalement trop longues. Est-ce que j'attends une journée d'équilibrer les comptes? C'est ça la question. Non, on va refaire un emprunt. Et ouais, je suis quelqu'un d'optimal. On va faire une petite pièce. Ici, de type petite. Voilà. On va y mettre dedans une caisse enregistreuse. Est-ce que je peux la tourner? Non, je peux pas la tourner. Par contre, je peux changer son style. Ah oui! La caisse enregistreuse de monstre. Trop bien. Du coup, on va changer ça. Ça, on va te mettre là. Toi, on va te mettre jusqu'ici. Et on aura la place de mettre éventuellement une vitrine si on veut lancer la potion. Ah, on peut mettre des affiches de vente aussi maintenant. Ça prend quoi comme place? C'est assez gros, hein. Les stands de vente améliorent les chances de toutes les potions dans la pièce. Bon, on va mettre ça, du coup. Allez. Tant qu'à faire, on investit un peu. On va essayer de vendre nos potions plus efficacement. Alors là, on a notre première potion de fortitude et lui, il lui fallait une caisse. Parfait. Ça va le faire. Par contre, il faut qu'on ait de la place dans le stock. Ça, c'est un peu con, ça. Donc, il nous faut une autre palette. Il n'y a pas à chier. Il nous faut une palette. Je crois qu'on peut dire hein, ce qu'on veut sur les palettes, hein. On va mettre les tonneaux de mélange, les caisses de potions, et on va enlever tout ça. Voilà. C'est parti. Ça, on va garder les trucs à utiliser direct, plus les caisses à monter. Oh putain, j'ai cru qu'on avait tout perdu, mais non, ça s'est déplacé tout seul. Alors par contre, oui, non. Là, du coup, on va dire, je veux pas ça et je veux pas ça. Plus logique. Et du coup, on peut lui envoyer sa caisse de fortitude à lui. J'ai besoin d'ingrédients. Bah, on a plutôt besoin de sous, là, en vrai. Et donc, on a une relation informelle avec les bandits. On a réussi notre quête. Donc, on a un hôtel de marketing. Permet d'effectuer une nouvelle action de marketing, le rituel de marketing. Ok. Le rituel de marketing, quoi. Ah, je peux pas, ça, je suis en train de le recharger, donc je peux pas le faire, ok. On peut mettre des choses ici. On peut mettre des il faut des employés, d'accord, ok, j'avais pas capté. Et ici, du coup, rituel de marketing. Cette action a pour but de garantir les prix positifs lors des prochains lancements de potions. Ok, ça nous intéresse pas. Par contre, du coup, un petit coup de pouce. Ouais, du coup, il nous faut plus de monde en vente avec ce truc-là. C'est bon à savoir. Et vu qu'on a une autre caisse enregistreuse de plus, il va peut-être nous falloir un mec en vente de plus, là.
Ouais, il va nous falloir un mec en vente de plus. Alors c'est parti. Candidat en vente. Ah, il n'y en a aucun. Du coup, on va prendre un gros bras et on le fera peut-être monter en niveau de vente, on verra. Parce que pour l'instant, Shobiti est court d'un truc à l'autre, c'est un peu con. Bah, du coup, je vais peut-être virer ça et puis le remplacer par une vitrine au final. Ça sera peut-être plus logique. Une roue de divination, elle nous donne, elle. Qu'est-ce donc que ceci? Regarde, 10% les chances de vente de toutes les potions à la pièce. Ouf. Ah oui, c'est fort. C'est fort, c'est fort. Ok, bon, il va falloir qu'on le pose. On va avoir de la restructuration à faire cette nuit, je pense. Uniquement là, ce serait bien qu'on refasse une petite pièce, qu'on mette la caisse enregistreuse dedans. Ouais, on dépile un peu les files d'attente là. Je vous présente cet artefact étrange et fabuleux. 212. Allez, on achète la poupée maudite. Alors, est-ce qu'elle a besoin d'être dans la pièce? Pas marqué. On va la mettre là. Non, il faut que je valide. Hop. Petite amélioration de qualité de pièce, c'est pas si mal. Ah, je sais, on est en manque là. En plus, il faut un mec de vente adepte. Ça y est, les chapeaux de sorcier, c'est bon. On pourrait faire, c'est une deuxième marmite. Comme ça nous permettra de dépiler un peu plus. Dedans, on va faire ça. Et ça. Ça, c'est vraiment pas la bonne idée au final. Pas utile. C'est qui dort là? Me dis pas qu'il y a. C'est un des vendeurs qui dort là. Non, c'est. C'est Ardarine qui dort. Ça va. Bon, j'ai l'impression qu'on vend globalement. Éditrice de la Lanterne Claire de Lune. Votre fabrique est officiellement invitée à prendre part à l'exposition de potions qui aura lieu le jour 14. On est jour 11. Merci d'envoyer votre meilleure potion qui sera jugée par un panel d'experts. Le thème choisi pour l'événement est attrait. Ok. Et si on échoue, il se passe rien. Et ben on va accepter. Alors du coup, attrait. Attrait 44%, 32%, 34%, 42%. On peut renvoyer une petite anti-archi là. 44% d'attrait, je pense que c'est pas mal, hein. Nos juges ont goûté toutes les potions et le gagnant sera révélé.
Alors, c'est une potion anti-monstre, donc attention quand vous la coûterez, par contre. Ça risque d'être dommage, sinon. Ici, on fait quoi? On fait du chapeau de sorcier, de la mandragore, et ici, on fait un peu de tout aussi. On va pas faire ça. C'est toi qui m'as fait des trucs bizarres, là. La peau de sorcier vient du saumurien, hein, exactement. Ah, on a une petite promotion pour Kyrvax. On va prendre la vision des arcanes. Et au niveau de l'humeur, ça va. Ça reste correct l'humeur pour le moment, même si je pense que ça va peut-être poser problème à un moment. Allez, il faut vendre le dernier client là, prendre la commande du dernier client qui commence à gueuler. Voilà. Ah, il en reste un. Et du coup, on va pouvoir se lancer dans ce qu'on voulait faire. Donc ici, on fait une salle un peu plus petite, dans laquelle on va mettre la caisse enregistreuse un petit peu plus grande. On va mettre ça dedans. Ça fait quoi déjà? Je peux pas moins de savoir, là, faut que j'accepte. Ça meurt de 10, ça meurt de 5 la qualité de la pièce, parfait. Du coup, il nous faut une grande vitrine et la roue de divination. C'est parti. Et donc là, on mettra la potion de fortitude. Et ici, on va arrêter de faire la boostos et l'invocation. Voilà. Alors, les potions n'étaient pas suffisamment attrayantes, les vitrines étaient trop remplies. Ok. On reste premier. Mais faudrait pas qu'on se repose trop sur nos lauriers. Hein. On va essayer de faire un petit coup de pouce. Pour... Une potion qu'on vend, tant qu'à faire. La potion de nécromancie, on la vend. On va faire un coup de pouce. Ah merde, il faut du vétéran pour ça. Ah bah du coup, on fait pas. Ça sera fait quand on aura un vétéran. Bah ouais, je sais, je suis désolé, mais je peux pas l'annuler, donc... Il va falloir que Alastre monte un peu de niveau. Et après, on s'en occupera. Ok, on va arrêter l'épisode là, il est largement assez long, l'épisode de VOD, j'étais lancé. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez laisser un petit coucou dans le chat, je bois un coup. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé, et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde!